honorables invités, en vos qualités, nous vous souhaitons la bienvenue au ministère de la Compassion des âmes. Ce jour béni du 31 décembre marque deux événements. Primo, fête d'année 2015. Secondo, l'anniversaire du premier responsable du ministère, que j'ai nommé le prophète Joël Grasso, que je vous demande de vous assurer. Je suis né au service Jésus et non Satan. Bon anniversaire, Papa Grasso. Que les années se multiplient encore pour vous et pour votre famille. En passant à vous, on peut penser à Voltaire, qui disait au XVIIIe siècle, ainsi, « J'appelle grand homme tous ceux qui ont excellé dans l'utile et dans l'agréable. » Fin des citations. L'utile pour nous, c'est la restauration des âmes. C'est la fin du règne de la sorcellerie sur les humains. C'est le retour de tous les égarés à Jésus-Christ. Je voudrais saluer tous vos collaborateurs, le collège pastoral, le conseil de l'église des Divo et des Aroko, et les autres membres du ministère qui vous accompagnent pour l'avancement de l'œuvre. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette fête. Merci à Félicia et à Mana Campes, qui sont associés aussi à nous depuis très fort longtemps, qui accompagnent le prophète Joël Grasso dans ses activités. Je voudrais prendre les ovations aussi, très fort. Que l'année 2016 soit pour vous tous un printemps pour chacun de vous, soit une année de bénédiction, de succès, de prospérité pour tous les chrétiens de Divo et des Aroko, afin que l'œuvre aille de l'avant. Je vous remercie et bonne fête à tous. Est-ce qu'on fait la dernière fois plus fort? Ovation pour le président d'organisation. Amen. Alléluia. Oh,
Yeah.
Amen.
Amen. Alléluia. Celui que je vais t'annoncer maintenant, il est l'initiateur de cette cérémonie. Alléluia. Oui. Cette nuit, tu vas acclamer plus fort le prophète Joël Grasso Chaleur, le maréchal de la brigade antisociale. Est-ce que tu peux l'acclamer plus fort? Plus fort. Tellement fidèle que je me retrouverai toujours la gloire pour ta fidélité et pour ta bonté. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia! Il est le Dieu qui relève les défis. Dieu relève les défis. J'étais en France lorsque j'ai vu une vidéo passer sur internet où il y a un mystique et qui dit avant la fin de l'année, le prophète va mourir. Il a même mis ça dans les journaux. D'abord, avant de partir en France, avant de partir en Europe, j'ai été victime d'une agression juste après la délivrance de certaines personnes. Il avait déjà posté une vidéo où avant la fin d'année, le prophète allait mourir. Je suis parti et mon service de communication est entré en contact avec chaîne de télé en ligne pour poser la question de savoir est-ce qu'une chaîne de télé peut permettre aux gens de proférer des menaces de mort contre une personne. Une vidéo, et la deuxième vidéo, c'est quand j'étais à Paris. On a dit mon attention pour dire, regarde, voici un monsieur qui est en train de te menacer et qui te traite de tous les noms. Donc les gens voulaient un droit de réponse. J'ai dit non, je ne dis pas quelque chose. Je rentre à Côte d'Ivoire. Et le 31, j'aurai quelque chose à dire. Si lui a réussi à tuer des personnes, pas moi. Il y a des gens qu'on peut tuer. Mais moi, aucun féticheur, aucun mixique ne peut me tuer. Il est 30e. C'est le 30e décembre. Dans quelques heures, nous rentrons en janvier. C'est pour 2016. C'est pour dire, ce mystique-là, tu as menti. Tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est démontré à plus B que tu es un menteur. Nous ne tuons pas les gens. Tu ne vas jamais me voir poster une vidéo et dire aux gens que le prophète ou telle personne va mourir. Ça veut dire que vous êtes là pour détruire la vie des gens. Comme nous autres, nous sommes levés contre la haute sorcellerie en Côte d'Ivoire. Nous sommes victimes d'attaques. J'ai été victime d'agression. Les gens ont failli me tuer, mais malgré ça, je suis parti en France. J'ai prêché l'évangile et les gens continuaient de me faire des menaces. Même on appelait au secrétariat ici pour des menaces de mort. On me menaçait. Je suis au 30e. Je ne suis pas mort. Et je ne mourrai pas maintenant. Je vivrai encore pour annoncer les oracles de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. Donc le diable ne peut rien contre moi. J'aurais dit le diable ne peut rien contre moi. J'aurai mon droit de réponse. D'ici 2 jours, je vais réunir toute la presse et puis expliquer. Est-ce que dans un pays de droit qu'on appelle la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut permettre à une personne de procurer des menaces de mort juridiquement? C'est condamnable. C'est condamnable juridiquement. On ne peut pas. Oui, je suis une autorité. Je suis un agent de développement. Quelqu'un vient poster une vidéo pour dire que le prophète va mourir en fin d'année. Donc j'aurai mon droit de réponse. Et puis la justice va suivre sa route. Parce qu'il faut qu'on ferme la bouche des mystiques. Il faut qu'on ferme les bouches de cette nation. C'est un menteur. C'est un menteur.
Seigneur menteur. Et le même ici, le jour où je suis arrivé, deux jours après, j'étais l'invité de la télévision ivoirienne. Je suis allé, je l'ai trouvé à la télévision. Devant lui, j'étais là quand je parlais pour lui dire, dans cette salle et dans toute la Côte d'Ivoire, je mets tous les mystiques au défi. Il n'y a que Jésus-Christ qui soit Seigneur. Et ça ne se discute pas. La Seigneurie de Jésus. Il y a des gens vous tuez. Mais les gens, quand vous aurez affaire à eux, l'histoire va retenir quelque chose de cette histoire. Parce que mon dernier mot, c'est Dieu. C'est pour dire que je suis vivant. Je resterai toujours en vie. Je dis, c'est parce que j'étais hors de la Côte d'Ivoire que vous parlez. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Jésus-Christ est Seigneur. Nous donnons la vie aux gens. Nous ne tuons pas les gens. Nous sommes contre la sorcellerie. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens vivre leur vie. Il y a des gens qui ont des talents, ils sont intelligents, mais ils sont bloqués par la sorcellerie. Laissez les gens vivre leur vie. Voici le combat que nous menons. Le diable est vaincu. Yeah.